Salut, cher futur moi. Je sais pas par où commencer en fait. Actuellement, tu as 18 ans. Tu es en fac d'informatique. L'informatique, tu te rappelles de ça? Quelque chose que vraiment tu n'aimais pas du tout. Sache qu'actuellement, tu vis toujours dans ton appartement, dans ton petit studio de 25 mètres carrés à Saint-Denis, à La Réunion. C'est toujours aussi ennuyant de vivre ici, mais en vrai, rappelle-toi vraiment, c'était bien en vrai. En vrai, c'était bien. Actuellement, tu fais toujours de la danse. Tu as commencé la danse il y a 2 ans, donc en 2017. 2018, pardon, 2000, ça va faire 3 ans. Tu as commencé la danse en 2017. D'ailleurs, j'espère que tu arrives toujours à faire des mouvements que j'ai pris 6 mois ou 7 mois à faire. Hein, genre des trains, des trucs comme ça là, hein. Hein, tu vois, ça m'a pris 6 mois à faire ça parce que je suis pas quelqu'un de souple de base. Et j'espère que tu y arrives encore et que tu arrives à faire mieux. Du coup, explique-moi, est-ce que dans 10 ans ou moins, j'aurais justement pu créer mon école de danse à La Réunion pour pouvoir pousser le hip-hop? Parce que c'est bien, hein. En vrai, le hip-hop à La Réunion, c'est bien, tu vois, mais même là aujourd'hui, tu le sais, je le sais, qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a, mais surtout en break. Break, il y a beaucoup ici. C'est pas que j'aime pas le break, hein. J'adore le break vraiment, mais. Moi, étant un danseur debout, tu vois, et même pour toute la communauté hip-hop debout, ça manque un petit peu ici. Mais justement, je veux pousser ça encore plus. Et c'est pour ça qu'après avoir fait cette école, j'espère que tu as réussi justement à pousser le hip-hop à La Réunion. Parce que c'est mon but aujourd'hui et j'espère que ça l'est toujours pour toi. J'espère que dans 10 ans, je te vois pas derrière un bureau travailler pour un patron. Hein. Tu vois, je critique pas les gens qui font ça, tu vois, je respecte totalement. Mais personnellement, c'est pas la vie que je désire. Et c'est pas la vie que tu as choisie, tout simplement. J'ai pas envie de réaliser les rêves de mon patron. J'ai pas envie d'échanger mon temps contre de l'argent. Pourquoi je ferais ça? Parce que 95% de la population le fait? Pourquoi devrais-je faire pareil? Tu n'as pas fait pareil. Et je le sais. Je vois pas l'avenir. Mais je sais que tu n'as pas fait pareil. Parce que ce n'est pas ton ambition. Parce que tu ne vas pas laisser la vie te dicter ta conduite. Tu ne vas pas laisser la société te faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et vraiment, j'espère que dans 10 ans, tu as au moins fait toute l'Europe. Hein. Au moins. Mais vraiment, j'espère que tu as au moins fait toute l'Europe dans 10 ans. Ah, c'est l'objectif. Il faut que tu voyages. Voyage un maximum. Et si dans 10 ans, tu vois cette vidéo et t'as pas encore fait tout ça, mais qu'est-ce que t'attends, mec? Voyage! Profite de la vie! Je sais pas si tu t'en rappelles, mais aujourd'hui en 2020, t'as pas la tête à te remettre en couple, tu vois. Je sais pas si tu t'en rappelles, t'as pas la tête à ça. Tu te comptes vraiment plus sur tes projets d'avenir, sur tes études. Pas tes études, sur l'activité d'entrepreneuriat, pardon. Sur la danse, sur tes amis. Et être en couple, c'est pas, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage pour les prochaines semaines, tu vois. Ou pour les prochains mois, pardon. Mais est-ce que dans 10 ans, t'es en couple? Est-ce que t'es marié? Est-ce que t'as des enfants? Je ne sais pas. J'ai besoin d'être heureux en fait. J'ai besoin de vivre ma vie pleinement. Tu vois, la vie est trop courte en fait. L'espérance de vie en France, chez les hommes, en général, ou chez les femmes d'ailleurs, elle est d'à peu près 80 ans ou plus, actuellement où je fais la vidéo. 80 ans. Ça paraît long, mais ça passe extrêmement vite. Voilà, là, vraiment, je commence à profiter de la vie, en fait, à ma majorité, en fait. Parce qu'avant ça, j'allais au lycée. Bah, j'étais un enfant normal, un adolescent normal, en fait. J'allais au lycée, je rentrais chez moi. Je traînais avec mes potes, je faisais des sorties, je dansais, tu vois, je faisais une activité. 18 ans, c'est là où vraiment je veux prendre les choses en main. Je veux être acteur de la société. Tu deviendras acteur de la société. Ah, dans 10 ans, mec, on se retrouve pour un battle. Allez, ciao. Oh, cher futur moi, dis-moi comment tu vas. Rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beaux Il m'arrive de faire des faux pas, mais je ne baisse pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe. Je suis sous l'emprise de la mélodie. Depuis je ne m'en passe, je ne dors pas le soir. Je ne fais que du bruit dans les rues de ma ville. Des fois c'est compliqué, mais je me dis que ça va aller. Donc je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.